Test, test, test. Test, test, test.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue à Villeneuve-sur-Lot au complexe Max Rouzier pour suivre la demi-finale du challenge Yves Dubanoir entre l'UCS et Tarbes. Aujourd'hui, je change de cavalier. Bonjour Marc Mesnier. Bonjour Nicolas. On fait un petit coucou amical à Didier Brugier qui m'avait accompagné pour le huitième quart de finale et qui est dans l'avion. Qui a pris une petite semaine de congé, qui est parti à l'étranger. Voilà. Au moment où les équipes vont rentrer au vestiaire, elles terminent leur échauffement. Il fait très chaud aujourd'hui, Marc, sur cette pelouse de Villeneuve-sur-Lot. Et on sent quand même un vrai parfum de phase finale. Enfin, on est pour les deux équipes en terrain connu. C'est particulier, hein, ce genre de match. Ouais, c'est complètement particulier. On est sur un match éliminatoire. Voilà. Donc, forcément, le perdant s'arrête là et le vainqueur se dirige sur la finale du challenge Yves Dumanoir. Et puis, voilà, les supporters sont bariolés de toutes les couleurs. Et les supporters tarbés, bien évidemment, et les supporters de Cognac Saint-Jean-d'Angély. Alors, on souligne que dans l'autre demi-finale entre Mâcon et Chambéry, le coup d'envoi a été donné déjà il y a une heure. Donc, on est à la mi-temps et c'est Mâcon qui est très légèrement devant. Juste après le début de cette deuxième période, Mâcon mène 10 à 6 contre Chambéry, mené 7 à 6 à la mi-temps et ils viennent de rajouter 3 points. Le vainqueur, évidemment, on l'espère, jouera contre l'UCS en finale sur un terrain qui reste à déterminer, Marc. Oui, en effet, on l'espère, puisque l'UCS a terminé meilleur troisième, mais il faut se méfier de cette équipe de Tarbes. Hein. Ils n'avaient que 62 points, mais qui est parti avec 8 points de retard, hein, puisqu'ils ont été pénalisés pour des problèmes financiers par la CCCF DNACG. Donc, ils ont récupéré avec 6 points, mais Cognac a eu ses 6 points aussi administratifs, on va dire, hein, sur les documents à envoyer aux dates prévues par la Fédération française de rugby. Voilà, donc on peut dire que Tarbes a 70 points au compteur. Donc 10 de moins, c'est vrai que 10 de moins que Cognac, Saint-Jean. Ouais, les 6 points, c'est parce que tu as bien fait ton travail, j'imagine. Les 6 points, c'est parce que tu as bien fait ton travail. Ouais, non, c'est 6 points, c'est administratif du club. Je suis pas seul responsable, il y a les trésoriers. Parce qu'il faut redonner, bien évidemment, les bilans, les comptes de résultats, les budgets. Donc, c'est un travail commun de tout l'administratif et financier du club. Alors là, ce qu'on entendait, c'était les supporters de l'UCS, puisque les unionistes rentrent à l'instant au vestiaire. Ils vont être suivis par les tarbés et on va pouvoir donner les compositions d'équipe, puisqu'on est à 7 minutes du coup d'envoi de ce match. Les supporters de Tarbes et Bigourdan qui font du bruit sont nombreux, hein, Marc. Ouais, ils sont plus nombreux que les Cognacois angériens. Mais c'est pas grave, c'est sur le pré que ça va se passer. En tout cas, ce qui est sympa, c'est d'avoir une belle ambiance et que les équipes soient soutenues par leurs supporters. Ça, c'est plus important sur ce match de phase finale. Alors, composition d'équipe. On commence par le Stadeau Tarbes Pyrénées Rugby. En numéro 1, Escure. En numéro 2, Bonneau. En numéro 3, Duny. En numéro 4, Lacroix. En numéro 5, Percival. En numéro 6, Camille. En numéro 7, Méron. En numéro 8, Bonnecarrère. En numéro 9, Luzero. En numéro 10, Pisse. En numéro 11, Dumestre. En numéro 12, Friche. En numéro 13, Paulet. En numéro 14, Rubio. Numéro 15, Berbizier. Les remplaçants, numéro 16, Manso Moyano. Numéro 17, Vial. Numéro 18, Armari. Numéro 19, Abat. Numéro 20, Loustono. Numéro 21, Bretousse. Numéro 22, Esteves. Et numéro 23, Ori. Ori qui a la particularité, Marc, d'avoir signé à l'UCS l'an prochain et qui va donc affronter ses futurs coéquipiers. Jérémy Ori qui a signé pour une saison plus une en option dès la saison prochaine. Hein. Donc il va reprendre l'entraînement donc fin juillet, puisque les joueurs ont une obligation de 5 semaines de congé après avoir arrêté la saison. Et le Stadeau qui est au complet, nous ont confié nos confrères de la Dépêche du Midi, il manque personne. Il y a des contrairement, choix. Contrairement à l'UCS. À l'UCS, à l'Union, où en effet, il y a quand même deux joueurs majeurs de l'équipe qui ne sont pas présents aujourd'hui. Donc, Kemulavetanatokoroy, qui n'est pas là pour deux cartons jaunes, suspendu. Donc, en espérant que l'UCS se qualifie comme ça, il pourra jouer la finale.
Et puis, Izzy Kelly, David Awalu, qui est blessé au cervical. Ouais. Au cervical, et donc sur le match à Anglet. À Anglet, oui. À Anglet, et qui a terminé la saison. Il était sorti au bout de quelques minutes de jeu. La composition de l'UCS, en numéro 1, c'est celle qu'on vous avait annoncée dans nos colonnes. Numéro 1, AO. Numéro 2, Ardiaca. Numéro 3, Igoné. Numéro 4, Pro. Numéro 5 et numéro 6, De Cubert. Numéro 7, Gauthier. Numéro 8, Vicensang. Numéro 9, Entregue. Numéro 10, Peluchon. Numéro 11, Gmir. Numéro 12, Ramoka. Numéro 13, L'Ottawa. Numéro 14, Pagenaud. Numéro 15, Donivoukou. Les remplaçants en 16, Campergue. 17, Vatubua. 18, Le Tellier. 19, Le Maître. 20, Crémou. 21, Marais. 22, Seco. 23, Puléoto. Donc, on est à 4 minutes maintenant du coup d'envoi de cette demi-finale du challenge Yves du Manoir. Les équipes sont rentrées. Marc, qu'est-ce qui se passe là, à 4 minutes du coup d'envoi? Est-ce qu'il y a encore des causeries à ce moment-là Les joueurs sont en train de se parler, mais ils se parlent calmement. Sincèrement, c'est voilà, faut évacuer surtout la pression. Il ne faut pas se mettre une pression trop importante. Il faut l'évacuer. Donc, il faut discuter, il faut partager, il faut échanger. Se dire que des bons mots, que des bonnes phrases, voilà, être très positif dans tout le discours. Et puis après, la pression elle va s'enlever d'elle-même de toute façon en rentrant sur le terrain et en espérant que le jeu va prendre sur l'enjeu. Alors, on rappelle que pour en arriver là, l'UCS a fait carton plein, hein, ouais, puisqu'ils se sont imposés à Lannemezan, à l'aller, là-bas, dans les Hautes-Pyrénées et au retour à Cognac. Victoire. Si mes souvenirs sont bons, 25-7 au retour. Oui, c'est ça, 25-7 au retour. J'ai un trou sur le match aller, mais il y avait une victoire. C'était 24-18. Voilà, 24-18. Et victoire anglette 17-12. Et retour aussi également, difficilement, mais 24-20. De son côté, Tarbes a d'abord éliminé Nantes, qui était dans la pelouse de l'UCS, en renversant la qualification au match retour, puisqu'ils avaient perdu 20-12 à Nantes et ils ont gagné très largement 44-8 au retour. Puis ensuite, ça a été Nice, pareil, une défaite 20-10 pour les Tarbais à l'aller et une large victoire au retour à Trélu, leur stade, leur antre, on va dire, où ils sont restés invaincus cette saison, puisqu'ils se sont imposés 36-12. On le voit, Marc, c'est une équipe intraitable chez elle, mais qui a plus de mal loin de ses bases. Ouais, qui a peut-être plus de mal loin de ses bases. Néanmoins, c'est une équipe qui marque beaucoup de points à domicile. Donc, je pense que c'est une équipe qui va être très dangereuse aujourd'hui, hein, qui est complète, qui a une forte conquête, que ce soit en mêlée ou en touche, et qui joue. Donc voilà, faut aux unionistes, hein, d'être bien présent. C'est un match de phase finale. Il va falloir être hyper agressif, dans le bon sens du terme, bien évidemment. Être présent en défense et puis jouer tous les coups à fond. Surtout ne pas se poser de questions, jouer tous les coups à fond pour passer cette demi-finale et aller en finale. Ça serait le rêve concernant l'Union. Ouais, la finale qui sera dimanche prochain, ça va s'enchaîner. Ce sera le baisser de rideau sur la Fédérale 1. Je pense qu'il n'y aura plus beaucoup de monde qui joue à ce moment-là. On est la finale du top 14, elle est passée. Elle était hier soir avec la victoire du Stade Toulousain. Je crois qu'il y a encore quelques demi-finales ou finales dans les championnats de série. En Fédérale 2 et Fédérale 3 aussi. Voilà, et en Fédérale 2 et 3. Mais on est vraiment sur la toute fin de saison qui a été bien longue, hein, puisque l'UCS a démarré sa préparation le 8 juillet l'année dernière. Donc, on est presque à une année pleine de compétition. Effectivement, les organismes vont avoir bientôt besoin de souffler. C'est tout à fait. Les organismes sont fatigués. On va avoir besoin de souffler. C'est pour ça que ces 5 semaines de vacances, après soit cette élimination, soit la finale le 23, sont importantes parce que là, les préparatifs physiques ont tout leur rôle à jouer, hein, sur la récup, parce que là, on est plus sur la phase de récup que de la phase de préparation. Mais voilà, c'est le lot de cette Fédérale 1, hein, aujourd'hui qui est séquencée de cette façon-là, malheureusement, parce qu'on n'est pas sur des blocs de 4 matchs alors qu'on devrait l'être. Il y a beaucoup de journées de repli, mais voilà, c'est comme ça, faut faire avec. Allez, les joueurs qui rentrent sur la pelouse. Ce sont les unionistes qui rentrent en premier. Sous ce franc soleil. Je pense qu'on va avoir droit au water break, hein, à ces pauses de l'eau. Et derrière, les Bigourdans qui rentrent du même côté. J'ai l'impression que c'est Clément Pro qui est capitaine aujourd'hui. J'ai pas vu.
Effectivement, c'est pas Mathieu Peluchon, donc ce serait Clément Pro qui va porter le brassard. Alors, l'arbitre de la rencontre, on va peut-être simplifier les choses. On va l'appeler Lassosa. Monsieur Lassosa, hein, du comité du Berne. C'est plus facile dans ces trois noms, c'est l'ESPI qui est plus facile. Alors, il s'appelle Hervé Lassosa, l'ESPI Labellette, pour être complet. On aura un petit peu de mal à prononcer l'intégralité de son nom pendant le match, donc on va l'appeler Monsieur Lassosa. Il a un maillot rose qu'on peut confondre avec les joueurs du Stadeau. Oui, absolument. Stadeau Tarbé. Donc les Tarbés qui sont à gauche, à notre gauche, qui vont donner le coup d'envoi de ce match. Les unionistes qui sont en blanc. Il n'y a pas de vent, il n'y a rien. C'est vraiment un temps parfait. Hein. Allez, c'est parti, Nicolas. Allez, coup d'envoi, c'est parti. C'est Savrigmir qui a récupéré le ballon parce que Romain Gauthier a été lobé, absolument. Ouais. Allez, on est dans les 22 mètres de l'UCS. On va pouvoir jouer une sortie de camp propre, en principe, avec Théo Entraigue. Voilà, c'est fait. Qui va trouver la touche. Oui, ouais, belle ça touche y est. De Théo. Hein. Ah, il y a un léger vent contre, apparemment, hein, contre les. Les unionistes. Ouais, proche de la ligne médiane, cette touche, mais légèrement dans le camp de l'Union, avec un lancer à suivre pour le talonneur Tarbé, qui s'appelle Bono. Il est venu avec sa bande, j'imagine. Oui, certainement. Ouais. Alors, on est sur une touche à effectif réduit, là. On est sur une touche à 5. Allez, le lancer, c'est pris par les Tarbés. Ouais, par le deuxième ligne, Percival. Mais on va au sol, donc on ne peut pas progresser au niveau d'un groupé pénétrant. C'est le 3 d'Uni qui charge, un colosse. On est toujours au sol, on est toujours légèrement dans le camp de l'Union. Il y a un bon contest de Jean-Maurice de Cubert, mais le ballon qui sort quand même pour Tarbes et on ouvre. Longue passe sautée du numéro 12, Frisch, meilleur marqueur d'essai de Tarbes cette saison. Et le ballon qui a fini en touche. Avec une bonne défense hein, des unionistes de l'UCS. Et je vois Jean-Maurice Cubert hein, qui tient la cuisse ou le genou. Il ne faudrait pas le perdre parce que le plaqueur gratteur. Ce serait plutôt la cuisse, je pense, Marc. Mmh. Se plaindrait. Et on est toujours sur une touche pratiquement au même niveau hein, pour Tarbes. Ouais, toujours aux 40 mètres. Et toujours avec un lancer avec une touche à effectif réduit, puisqu'on est sur une touche à 5. Tout à l'heure, hein, c'est Percival, le deuxième ligne, qui avait pris ce ballon. Donc là, on est en train de soigner Jean-Maurice Cubert, qui va pouvoir reprendre sa place. Je vois aussi Mathieu Peluchon qui fait des étirements, apparemment. Ouais, il boite bas quand même. Pour des problèmes de dos. Et donc, deuxième lancé à suivre de Bono. C'est dévié et c'est récupéré. Et attention, là, il y a un trou là pour le numéro 9. L'U0, il a été repris. On est aux 30 mètres et à nouveau une charge des avants Bigourdan qui monopolise le ballon pour l'instant. Ah, c'est bien libéré. Ah, ça avance bien. On est proche de la ligne des 22 mètres. Ouais, il y a pénalité, tout à fait. Et on a une pénalité. On est venu gratter le ballon, je crois. Ouais, on n'a pas fait tomber le pilier numéro 1 et le Tarbes s'est organisé en groupé pénétrant. Qui avançait sur 5 mètres et ce groupé pénétrant a été écroulé hein, par l'UCS et c'est logiquement sifflé une pénalité pour Tarbes. Ouais, première pénalité du match. Pratiquement 22 mètres face au poteau, Nicolas. Elle va être tentée. On voit que Jean-Maurice de Cubert boite vraiment très très bas. Est-ce qu'il ne va pas sortir ? Alors que c'est l'arrière. Bah ça, c'est une tuile, hein. L'arrière de Tarbes, au nom illustre, est-ce que c'est la famille ? Il s'appelle Berbizier. Il y a un armari aussi, hein, Tarbes. Il y a un armari aussi, c'est vrai. À inquiétude pour Jean-Maurice de Cubert, on voit Pierre Lemaître qui est en train de se préparer. Il va sûrement remplacer le troisième lignel au moment où Berbizier va essayer d'ouvrir le score. C'est parti. Et ça passe pas. Et c'est à côté. Alors là, pénalité facile quand même. Hein. Ouais, pénalité facile. Il pouvait ouvrir la marque. Pour l'instant, sur ces 4 premières minutes, Nicolas, hein, c'est vraiment le Stadeau hein, qui a la possession du ballon, hein, qui arrive à bien le libérer hein, avec des libérations rapides et jouer en avançant.
Et voilà, c'est quand même un coup dur pour l'UCS avec la sortie de Decubert, qui est vraiment le gros plaqueur du club, plaqueur gratteur. Et donc Pierre Lemaître qui… Le jeune Pierre Lemaître qui a 20 ans, 21 ouais, ans. Qui le remplace, qui a fait quelques apparitions cette année et qui n'a pas déçu. Hein. Non, qui n'a pas déçu. Qui avait joué notamment, j'ai souvenir, à Chanzy contre Rouen, qui avait fait un très très bon match. Ouais, il faut élever le niveau encore. Allez, les unionistes donc qui vont pouvoir jouer ce renvoi au 22. Après ce premier échec, on l'a dit, de Berbizier sur une pénalité 22 mètres face au poteau. Et donc toujours 0-0 après 5 minutes ouais, de dans jeu. Dans les bras de Berbizier. On monte bien à côté. Et Tarbes à nouveau qui monopolise le ballon et qui repart depuis la ligne médiane. Le ouais, ballon est vite bon libéré. Ouais, pour l'instant, on ne voit pas l'Union. Hein. Non, l'Union ne fait que défendre. Et là, on est hors-jeu. La ligne est hors-jeu. C'est pas signalé. Le jeu continue. Ah, ils sont complètement hors-jeu. Ils ont... Allez, on a écarté là au large côté droit. Il y a un petit en avant. Oui, il y a un petit en avant. Récupéré par l'Ottawa. Le ballon était facile pourtant. Hein. Et donc, c'est récupéré par les unionistes avec Théo Antrec qui essaie de se faufiler. Il est pris. On est proche de la ligne médiane, légèrement dans le camp de l'UCS. Mathieu Peluchon qui ouvre pour Coligno Ramoca, qui ouais, transmet qui a à Mathieu. Qui a les à Vincent Pagenaud là-bas sur son aile. Ouais, et il est là, il va en touche. Bichard, il est dans le. Là, il faut sortir du couloir des 5 mètres pour Vincent Pagenaud. Il ne faut pas rester. La touche, c'est le meilleur défenseur. Donc là, il a été croqué et poussé sur la touche par un défenseur tarbé. Et donc, on va se retrouver avec une nouvelle touche à suivre pour le talonneur tarbé. Pour l'instant, c'est la troisième touche, Nicolas. Ouais, et trois pour avec le lancer pour les Bigourdans. Les deux premiers ont été captés sans souci. On est sur la ligne médiane. Il va falloir que l'Union mette la main sur ce ballon. Ouais, c'est à nouveau détourné par un tarbé et le jeu qui s'ouvre. Attention de. Ouais, bien défendu de Ramoca. De Ramoca, ouais. Allez, le ballon à nouveau extrait, mal contrôlé. Ouais, non, faut récupérer, jouer ouais, au large. Un bon turnover pour l'UCS, mais Ramoca qui est pris sur la ligne médiane. Voilà, premier ballon, encore un turnover. Allez, Donny Boukou qui est pris à nouveau en flood pour l'Ottawa. L'Ottawa qui recule, mais… Non, mais là, il fallait qu'il redonne l'Ottawa parce qu'il est arrêté, il était dos à… Dos à la ligne d'essai. Avec Théo Antreg qui met un petit coup de pied par-dessus. Ralenti, Sabri. Et l'arrière, Berbizier ouais, qui Berbizier se dégage. Qui s'en sort bien. Et ça va être une touche à nouveau sur la ligne médiane avec cette fois-ci un premier lancé pour l'UCS. Pour l'instant, c'est Tarbes hein, qui a la main mise sur le ballon. Absolument. Et les Cognasco-Angériens se nourrissent uniquement des deux en avant qui ont été effectués hein, par les Tarbés pour jouer, pour avoir la possession. Et là, c'est la première touche pour l'Union. Ouais, avec un lancer à venir de Flo Ardiaca, titularisé par le staff de l'UCS. On va suivre ce lancer, c'est pris. En début d'alignement par le Sud-Africain Vian et. Ouais, il y a pénal, bien sûr. Le môle, c'est complètement. Déstructuré. Déstructuré. Et Flo, il fallait qu'il reste au contact. Il s'est détaché. Il est revenu sur le môle. Et c'est une nouvelle pénalité. La deuxième, hein, il me semble, Marc, qui tient les comptes à jour. Ouais, c'est la deuxième pénalité, en effet. Et là, est-ce qu'ils vont la tenter? C'est vraiment une pénalité bête, hein, parce que là, c'est. Ils sont à 50 mètres. Tu fais une bonne prise de ballon de touche. Est-ce qu'ils vont la tenter? Est-ce qu'ils vont vouloir aller en touche et derrière, tu fais une faute idiote. Alors que tu as caressé collé à ton sauteur. Et après, les autres joueurs vont venir prendre le ballon. C'est pas parce qu'il est talonneur. Super. Et Berbizier qui a trouvé une magnifique touche à 12 mètres de la ligne d'en-but de l'UCS. Avec bien évidemment le lancer à suivre pour le talonneur Bono. Voilà, donc ça, c'est une faute qui est vraiment idiote parce que ça permet à Tarbes de, alors que les unionistes avaient le ballon sur la ligne médiane, ça permet à Tarbes de revenir à 10 mètres avec une touche. Voilà, bonne allez, prise. À nouveau, prise. Qui leur permet de s'organiser en groupé pénétrant, Nicolas.
Ouais, un groupé pénétrant qui part un peu en travers, qui n'avance pas beaucoup pour le moment. C'est pareil, c'est déstructuré. Il y a des joueurs qui sont venus devant normalement hein, pour empêcher la défense. Et la balle est récupérée. Très belle défense des unionistes qui vont récupérer le ballon. Ouais, mais Nicolas, ça méritait une pénalité aussi. Il y a 2-3 joueurs de Tarbes qui se sont détachés du môle devant et qui ont empêché deux joueurs d'aller défendre. C'est normalement une pénalité. Et ce sera une simple mêlée, la première, il me semble, du match. Avec un lancer à suivre pour l'UCS. Enfin, un lancer, pardon, une introduction. Donc, la première touche de l'UCS a été perdue, en espérant que la première mêlée ne soit pas à l'identique. Allez, ouais, on joue la 10e minute et toujours 0-0. Et on est à 5 mètres de l'embut de l'UCS. Une pénalité facile à louper par les Tarbais. Ouais, on a eu du mal. Les deux premières lignes qui ne se sont pas bien imbriquées. Et donc, du coup, elle va être à refaire. Allez, vraiment sur ces 10 premières minutes, on peut dire que Tarbes a la main mise hein, sur le ballon, essaie de jouer en voie du jeu, et que pour l'instant, les Cognasco-Angériens ne font que défendre. Ouais, on va voir sur ce secteur qu'on annonçait très fort du côté du Stadeau. On va voir si l'UCS tient. Le ballon est vite extrait, c'est Thibaut Vicensang qui est parti derrière sa mêlée. Numéro 8 de l'UCS. C'est dommage chez personne n'aura parce que Théo Entraigue. C'était très bien joué de la part de Théo Entraigue. Hein, qui est... S'il y a un joueur qui vient se proposer, il y a un 2-1 à jouer et après il y a un boulevard derrière. Allez, on est à 15 mètres de la ligne toujours. L'UCS qui repart à la charge avec les avants. Hop, là il y a le 6 qui est pénalisé, qui doit être pénalisé normalement, qui reste sur le ballon. Théo Entraigue qui sort le ballon pour Mathieu Peluchon qui ne va pas trouver la touche. Il va trouver les bras de Berbizier. Qui relance depuis la ligne des 40. Il a été pris, mais toujours le ballon dans les pieds des Bigourdans qui peuvent écarter avec le talonneur Bono. Ouais, bonne. Il charge. Théo Entraigue qui a essayé de chipper le ballon, intercepté, mais il est resté dans les mains des Bigourdans. Petit coup de pied à suivre de l'U0, récupéré par Mathieu Peluchon qui redégage. C'est dommage parce que c'est en plein milieu du terrain et là, il faut faire attention. Que ça offre une contre-attaque. Avec Frisch qui tape à suivre et qui va aller trouver une touche là-bas. Pas très bien joué ça peut-être. Non, c'est pas très bien joué, mais écoute, le principal, c'est que les unionistes récupèrent le ballon. Parce que là, Mathieu Peluchon avait en effet dégagé, il était le long de la touche, mais il a tout recentré son coup de pied qui est arrivé sur la ligne médiane. Mais en plein milieu du terrain, est-ce qu'il va offrir une opportunité de contre-attaque hein, pour les Tarbais. Heureusement, mal joué hein, par Frisch et qui trouve une touche à 30 mètres de la ligne d'embut de l'Union. 13e minute de jeu, toujours 0-0, mais une nette domination territoriale de Tarbes depuis le début de cette rencontre. Allez, de toute façon, on va être sur un match serré, hein, Nicolas, comme tous les matchs de phase finale. Alors, on va jouer avoir le match de l'autre demi-finale, Chambéry-Mâcon. Alors, comme il y a Clément au niveau de Chambéry-Mâcon, on est en deuxième période. Et c'est toujours Mâcon qui fait la course en tête, 13-9. Deuxième touche perdue. Hein. Elle est perdue, mais ils ont reculé de 10 mètres, les Tarbais. Elle est récupérée. Avec le maître, qui a remplacé, donc on le rappelle, Jean-Maurice de Cubert très rapidement au bout de la 4e minute de jeu. Il a été pris. Les unionistes qui sont toujours dans leur camp. Qui cherchent une solution. Gauthier. Ouais, c'est Romain Gauthier qui est pris. Toujours dans ses 30 mètres. Ouais, mais il faut remettre de l'ordre là. Parce que là, c'est complètement désorganisé. Avec Vian et qui charge. Sortie de Théo Entraigue. Mathieu Peluchon, il est contré. Il est contré ce ballon. Il a été récupéré par le demi de mêlée de Tarbes, l'U0. Râle du côté des supporters Tarbais, mais ça joue. Mickaël Igonet là-bas et le ballon à nouveau tombé. Récupéré. À nouveau un turnover. À nouveau un turnover pour l'UCS qui va pouvoir peut-être enfin franchir cette ligne médiane. Je ne suis pas sûr que ballon au pied, ballon en main, il l'ait fait.
Donnie Beaucoup, on écarte à gauche. Mathieu Peluchon. Ouais, qui va chercher la ligne d'avantage. Ouais, c'est pris par Thibaut 800 que ça y est, on est rentré dans le camp de Tarbes. Avec Théo Entraigue qui a commis un très léger en avant. Et les Tarbais qui vont pouvoir récupérer ce ballon dans une chaude ambiance. Les supporters Bigourdan qui... Ah, c'est le septième homme, hein. Ça fait plus de bruit que les supporters de l'Union. Et la grosse séquence, les capots sont ouverts. Hein. Ah, c'est dommage parce que les unionistes hein, ont bien récupéré encore ce ballon pour faire un troisième turnover pour eux. Et malheureusement, le perdant suivant, ce qui fait que voilà, on est sur une mêlée pour Tarbes à la 16e minute sur la ligne médiane, sur la ligne au croisement de la ligne des 15 mètres, côté droit pour les Tarbais. Alors on s'hydrate, on soigne quelques bobos d'un côté comme de l'autre. Je vois que c'est Richard Raoult là-bas qui est en train de se faire soigner. Le numéro 3 aussi. Au pas de Guillaume Doué hein, sur le terrain pour soigner Richard Raoult, le pilier gauche de l'Union. Et c'était le pilier droit de l'autre côté, Duny, qui lui aussi se plaignait. Mais on va pouvoir jouer cette mêlée, donc, comme tu le rappelais, Marc, sur la ligne médiane. Avec l'introduction à suivre pour le Stado. Allez, ça donne de la voix des deux côtés des supporters. C'est ça la magie des phases finales, Nicolas. 16e minute de jeu, toujours 0-0 au tableau d'affichage. Ah, la mêlée est belle. Hein. Ouais, la mêlée est très belle. Elle est magnifique. Elle est stable. Même très légèrement, elle a été tournée. Est-ce que l'arbitre va sanctionner ? Non, mais le numéro 9 qui a été pris derrière sa mêlée. C'est normal de ne pas sanctionner tant que le ballon. Ouf. Ça y va dur hein, sur les rocs. Hein. Ça déblaye hein, du côté Tarbé. Attention, il y a un 4 contre 2. Ouais, bien coupé hein, la trajectoire par Vincent Pagenaud. Bonne défense de Vincent Pagenaud, ouais, effectivement. Qui est monté en pointe. Attention, les unionistes sont encore hors jeu hein, de ligne. Hein. Ouais, on a refoulé à nouveau, toujours sur la ligne médiane, les Tarbé. Et on va jouer au pied avec Pise. Ouais, qui joue bien dans le dos de. Est-ce qu'il va aller trouver la touche Pagenaud. Là-bas ? Oui, magnifique. Hein. À nouveau, la pression sur les unionistes qui reviennent dans leurs 22 mètres, même dans leurs 15 mètres. Oui, parce que la touche est à 10 mètres de la ligne d'en but hein, sur ce superbe jeu au pied hein, de l'ouvreur Pise. Et à nouveau, l'Union qui est dans son camp sur le reculoir, alors qu'il va bien évidemment récupérer l'introduction. Non, non, c'est... Décidément. Je vais y arriver, Marc. C'est la fin de saison. Ouais, c'est pour ça, c'est compliqué. Allez, c'est un lancer pour Florian Adiaka. On est sur une touche à réduite, hein, puisqu'on est sur une touche à 3. Ouais, ils sont 4, tous... pardon. Je n'avais pas vu Romain Gauthier. Ouh là 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 là. Ça a été détourné par Clément Pro, mais difficilement, il y a un bon relais entre Entraigue et Pagenaud. Allez, bonne à jouer extérieur, Flo. Allez, Ardiaka qui est presque sur sa ligne des 22 mètres, qui arrive à transmettre à Ramoka. L'Ottawa pour Donnie Beaucoup. Avec un off-load pour Sabrik Mir sur l'aile gauche, qui est pris, qui est propulsé en touche. Ah, c'était la première occasion intéressante, même si on repartait des 22 mètres. Pas ce off-load, hein, mais malheureusement, on n'a pas réussi à avancer. Ardiaka qui est touché là-bas, le talonneur. Il y a Flo Ardiaka, il y a Igoné qui tire la langue. Ouais, on joue la 19e minute, c'est temps que le water break arrive. Hein. Ouais. Pourtant, il n'y a pas beaucoup de rythme, Eric. Hein. Nicolas, pardon, excuse-moi, c'est l'habitude. Non, effectivement. 13 avec Eric. Hein, donc, Il n'y a pas de souci. Oui, effectivement, ouais, il y a de la casse. On voit les joueurs qui cherchent à s'hydrater. Ouais, il fait chaud, hein. Mais c'est pour ça qu'il faut faire courir hein, ce gros paquet d'avant, hein, de Tarbes. Ouais, Tarbes qui mène au point, mais pas au score. Donc toujours 0-0, 19e minute de jeu. Une seule occasion franche, c'est cette pénalité manquée, alors qu'elle était relativement facile. C'est une touche, oui, effectivement, oui, pour l'UCS. Oui, le ballon a dû être arraché à Sabrik Mir.
Et donc, c'est Ardiaca qui va effectuer le lancer avec Vianne. Et c'est Clément Pro qui dévie parfaitement pour Théo Entraigue. Et Pierre Lemaître qui charge. On est dans les 30 mètres de l'UCS. Ardiaca qui est pris. Ah, c'est bien libéré. Attention, hein. Elle est bonne à jouer. Il y a un petit surnombre. Ouais, c'est bien joué ça. C'est très bien joué de la part Superbe de Gauthier. Romain Gauthier pour Pierre Lemaître sur l'aile gauche. Allez, il faut repiquer ouais, à l'intérieur. Il rentre bien dans le terrain, il a raison. Hein. Ah oui, oui. Fallait absolument. Superbe passe de Romain Gauthier. Hein. Allez, l'UCS qui tergiverse un petit peu. Attention, donnez vos coups là-bas. On est passé côté droit pour Vincent Pagenaud qui repique à l'intérieur. Bien fait, Vincent Pagenaud. On rentre, on passe les 40 mètres de Tarbes. Ah, l'Ottawa, il ne fallait pas repartir là, qui sait. Non, c'est Sabri Gmir. Ah, Sabri. Sabri, il est parti côté droit. Il n'y avait plus personne. On est revenu côté gauche. Ramoka, il est pris. Toujours sur les 40 mètres. On reste même sens. Avec Mathieu Peluchon Encore pour le mettre. Le mettre. Ouais, toujours près de la touche, mais... Attention. Allez, Peluchon, attention à l'interception. Oui, oui, bien joué, Mathieu. Oh, il s'est fait prendre le ballon. Il s'est fait arracher le ballon. Et les Tarbais qui récupèrent un turnover. Avec un petit coup de pied à suivre de l'U0, le demi de mêlée. C'est Donny Bocou qui va arriver le premier là-bas sur ses 22 mètres et qui va pouvoir dégager en touche. C'est complètement dévissé. Non, c'est pas dévissé, c'est un long jeu au pied hein, sur la ligne des 10 mètres des Tarbais qui vont pouvoir contre-attaquer. Attention, il faut reformer la ligne. Oui, parce que la séquence est extrêmement longue. Les joueurs vont être extrêmement fatigués. Attention au Tarbé qui essaye d'enchaîner. Avec un en avant. Et il y a eu un en avant, heureusement. Et du coup, l'UCS va récupérer une mêlée sur ses 40 mètres. Oui, sur sa ligne des 10 mètres. Écoute, ben on a vu une belle action qui a duré presque 2 minutes. Ouais. Avec 2 turnovers. Malheureusement, il n'y a aucune équipe qui a pu aller à Dame sur ces turnovers. Et je crois que l'arbitre qui accorde un water break. On joue la 22e minute. Et en effet, donc cette action a bien duré 2 minutes, Nicolas. C'est ça. Et pour l'instant, on peut dire que les Cognaco-Angériens n'ont pas dépassé la ligne médiane pratiquement, mis à part une seule reprise. Sur la dernière occasion. Sur la dernière action. Ce qui est... il va falloir vraiment aller jouer. Il faut aller chercher les intervalles. Pour l'instant, c'est vrai qu'il fait chaud. Les deux équipes sont prêtes physiquement, mais il y aura forcément des ouvertures à un moment donné dans le match. Ouais, pour l'instant, il faut jouer, il faut les faire courir parce que c'est vrai qu'ils sont un peu plus lourds que l'Union. Ils ont un gros paquet et derrière, on s'aperçoit que c'est pas au niveau de leur conquête. Absolument. C'est vrai que c'est assez rare d'avoir une équipe cette saison d'une densité physique supérieure à l'UCS. Mais ce 8 de devant, Tarbé, il est costaud. Il va falloir le faire courir, hein, comme tu l'as dit, parce que pour l'instant, les défenses sont bien en place. On est à la 20e minute ou 22e minute de jeu, mais effectivement, au bout de la 55e ou de la 60e minute, pas sûr. Il va y avoir des brèches qui vont se créer, Nicolas, c'est certain. En espérant que ce soit du bon côté. Allez, on va reprendre sur une mêlée. Hein, pour. On ne pourra pas rester à 0-0, non. De toute façon, Marc. Il va bien falloir à un moment donné. On va reprendre sur une mêlée avec introduction. Union Cognac-Saint-Jean-d'Angély par Théo Entraigue. Donc, il s'en va à Rumilly, Théo. Il paraît. Avec Vincent Pagenaud. Ouais. On est une dizaine de joueurs qui sont sur le départ du côté de l'Union. Allez, mêlée sur la ligne des 10 mètres, en effet, proche de la ligne des 15 mètres côté droit. Ce qui ouvre le côté gauche hein, pour les unionistes. Et je vois que l'arrière, de niveau coup, hein, et petit côté. Alors que dans l'autre... La mêlée va être... va être à refaire. L'autre demi-finale, c'est toujours aussi serré des deux côtés, puisque Mâcon, à la 65e minute de jeu, mène 13 à 12. Ouais, et puis là, tu vois, on joue la 22e minute et il y a 0-0, Nicolas. Ouais. Donc, on est vraiment, c'est des scores qui sont très serrés. On est sur des équipes qui se valent. Ouais, on savait que ce dernier carré. Je sais pas, dans la poule, ils étaient dans la même poule, Chambéry-Mâcon, je crois. Oui, non absolument. Et Chambéry avait terminé devant Bonne question. Je ne sais pas. Il me semble que Chambéry était troisième, oui.
Allez, introduction, Théo Entraigue. Ouais, la bonne mêlée des unionistes, très bonne mêlée avec Ouais, sorte. On a parti petit côté là-bas. C'est dommage qu'il n'ait pas pu donner, Théo. Allez, on va repartir au ras. Très bonne mêlée hein, des unionistes. Ouais, pour l'instant, ça tient bien, ouais. Allez, c'est Mathieu Peluchon qui a la manœuvre, puisque Théo Entraigue s'est fait croquer. Oula, il y a eu un arrêt buffet, là, sur Clément Pro, il me semble. Et c'est Mathieu Peluchon... Complètement dévissé. Qui t'a pas suivre. Attention à la réception. C'est un tarbé qui récupère. C'est Frisch. Et on écarte petit côté avec un coup de pied à suivre. De Paulet qui va trouver. La robe à 22. Ouais, parce le ballon qui a frôlé. Soit robe à 22, soit mêlé. Il a frôlé la touche, mais il est sorti en ballon mort. Grosse erreur hein, de Mathieu Peluchon hein, sur cette chandelle. Qu'il a dévissé et qui, voilà, qui donne une. Une balle d'essai, hein. Malheureusement. Et on va prendre la mêlée du côté de l'UCS. Donc, ça veut dire que dans ce secteur de jeu, on se sent assez à l'aise. Ouais, pourtant, les unionistes ont été bousculés en mêlée, hein, l'Annemezan, hein. Souviens-toi, Nicolas. Ouais, c'est pas un secteur très fort cette saison. Christophe Amasek le rappelait jeudi en conférence de presse. La touche, c'est bien, 86%. La mêlée, c'est moins bien, 72% de réussite. Ouais, c'est la mêlée, c'est moins bien. C'est aussi pour ça que le recrutement a été accentué sur la première ligne avec des nouveaux joueurs qui arrivent. Ouais, notamment Maxime Gau. Jérémy Horry. Jérémy Horry, oui, qui est remplaçant pour Tarbes cet après-midi. Alors, la mêlée, ouais, c'est il a raison cool, de la laisser jouer. Mais ça joue avec l'Ottawa. Qui a transmis à Donny Vaucou et Donny Vaucou il a fait tomber le ballon, donc c'est un turnover pour Tarbes. Attention, il y a un espace. Ouais, il y a des joueurs un petit peu partout. À nouveau un ballon. Que dit l'arbitre? Ça continue, donc l'avantage est terminé sur l'en avant de Donny Vaucou. Voilà. Ça sent le chaos là. Hein. L'Ottawa pour Pagenaud. Pagenaud qui repique à l'intérieur. Vincent Pagenaud là-bas sur son aile droite. Il semblait qu'il avait un couloir. Ils sont complètement hors jeu. Hein. Ouais. Allez, l'Ottawa pour Ardiaka. Gmir, on est passé côté gauche maintenant. Gmir qui repique, Sabri Gmir. Qui transmet à Pierre Lemaître. Passé, hein, le petit Lemaître. Hein. Ouais, Pierre Lemaître qui a été pris sur la ligne des 10 mètres de Tarbes. Allez, on écarte à nouveau côté droit. Il va y avoir un surnombre là-bas. Oui, bien Donny Vaucou pour Pagenaud. À la limite de l'en avant. Et non, c'est sifflé. Là, c'est sifflé. Dommage, c'est une très belle action hein, des unionistes hein, qui méritaient mieux. Ah, c'est pas possible que ça tienne sur ce rythme-là, 80 minutes. Mais forcément. Il faut pourtant, il faut que ça tienne sur ce rythme-là, parce que c'est en mettant ce rythme-là, Nicolas, que les brèches vont se créer à un moment donné. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que chaleur, forcément, il y a une équipe qui va craquer à un moment donné, ça, voilà, c'est certain. Ça. Laquelle ah, pour l'instant, bien malin, qui peut nous le dire. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que les deux équipes mettent du jeu. Quoi. Il y a très peu de jeux au pied, les équipes essaient de jouer, et ça, sur un match de phase finale, c'est quand même très intéressant, parce que généralement, l'enjeu prime sur le jeu, et là, ce n'est pas le cas, hein, Nicolas. Non, quand même, hein. Non, du tout. Il n'y a pas eu une brutalité sur ces 25 premières minutes. On est entièrement concentré sur le jeu. Et non, à nouveau, les joueurs qui s'hydratent. Je pense qu'il y a un blessé là-bas. Oui, il me semble que c'est un tarbé. Parce que je ne reconnais pas Guillaume, l'ostéopathe de l'UCS. C'est sur le plaquage de Vincent Pagelon. Je pense qu'il a dû se faire mal. Mais on ne voit pas le numéro. Donc toujours 0-0, hein, on le rappelle. Oui, à la 27e minute. Et oui. Avec donc ce jeu qui est arrêté pour une blessure. Les remplaçants de l'Union et de Tarbes qui s'échauffent. Je pense qu'ils ne vont pas avoir besoin de le faire très longtemps pour faire monter leur cardio. Oui, parce que c'est vrai qu'il fait chaud. Là, justement, il faut faire un échauffement léger. Il ne faut pas trop aller trop chercher, aller trop puiser dans les réserves déjà. Allez, les supporters de l'Union qui donnent un peu de la voix. On ne les entend pas beaucoup par rapport à ceux des Bigourdans. Et donc, cette mêlée donc, qui c'est va une être... mêlée hein, pour... Oui. Pour Tarbes. Mêlée pour Tarbes. Sur cet en avant de passe entre Donny Vaucou et Vincent Pagenaud.
Allez, cette mêlée de l'Union qui fait bonne figure pour l'instant. On va voir si elle peut perturber la sortie de balle d'Etarbé. Etarbé qui recule, on dirait. Et le ballon qui est quand même sorti. Ouais, mais je trouve l'arbitre intelligent qui même laisse. Alors, Pisse avec une erreur. Pourquoi il a cherché à récupérer ce ballon à la main, Johnny Donivoku? Ah oui, on veut bien. Il a fait une erreur, Johnny. Il aurait dû essayer de la contrôler à la mode footballeur. Il a voulu mettre les mains. Et oui, d'autant qu'il avait largement le temps. Hein. Et il commet un en avant. Et ce qui offre une mêlée, hein, les Tarbés qui ont avancé de 20 mètres, hein, de 20 mètres, puisque la mêlée est sur la ligne des 10 mètres maintenant de l'équipe unioniste. Ah, il y a quelques petites scories. Tout à l'heure, ce coup de pied dévissé de Mathieu Peluchon. Là, c'est en avant un petit peu bête de Donny Beaucoup. Il va falloir gommer ça pour desserrer un peu l'étreinte parce que sinon les Tarbés vont revenir systématiquement essayer de. Et je trouve la mêlée de l'Union hein, bonne hein, aujourd'hui. Oui, absolument. Il a dû travailler cette semaine à l'entraînement parce que sachant que celle de Tarbes était vraiment très forte. Allez, donc c'est tout le travail d'Alexandre Ruiz et de Christophe Amasek sur celui de devant. Allez, introduction pour l'U0, le demi-mêlée de Tarbes. On est proche de la ligne des 10 mètres. Et c'est une pénalité contre l'Union sur cette mêlée. Allez, sur la ligne des 15 mètres et à 38 mètres. Hein. Donc c'est Mickaël Gonnet hein, qui est sanctionné. Et Clément Pro, liaison. Clément Pro qui fait signe. Il souffre lui aussi, Clément Pro. On est en fin de saison. Les courses sont meurtries, même si Clément a manqué tout le début du championnat. C'est la troisième pénalité sifflée contre l'UCS, aucune contre Tarbes. Et donc, ça va donner l'occasion à Berbizier. Il est un petit peu plus loin qu'en tout début de match, mais à peu près en assez bonne position, moyenne position pour essayer d'ouvrir le score. 30e minute de jeu et il est à 37 mètres, on va dire, des poteaux de l'UCS. Voilà, l'arrière de Tarbes qui s'élance voilà, et qui va ouvrir la marque. Allez, 3-0 à la 30e minute pour le Stade Tarbes. Et c'est pas immérité. C'est pas immérité, hein, puisque les Cognacés ne se sont nourris hein, que de turnover. Ont perdu 3 ballons en touche, ont gagné leur ballon en mêlée en revanche, hein, sur les 3 mêlées qu'ils ont eues, mais voilà, n'ont pas passé la ligne des 10 mètres hein, de Tarbes, alors que les Tarbés sont venus plusieurs fois entre les 40 et les 22, très peu de fois dans les 22 mètres, mais voilà. Allez, le renvoi. Pour l'instant, c'est un match, une rencontre qui se situe entre les 40 et les 20, les 40, la ligne des 10 mètres de Tarbes et les 22 mètres Cognacé. Allez, les Tarbés qui repartent de leurs 22 mètres. Ou Clément Pro, je crois qu'il va sortir. On prend 3 points sur une erreur hein, quand même hein, de Johnny Donivoku. Je crois que Clément Pro, il a fait signe. Donivoku qui récupère ce ballon qui avait été dégagé par Berbizier qui n'a pas trouvé la touche. Et c'est reparti. Allez, le ballon. Elle est bonne, elle est bonne. L'Ottawa, petit côté, qui tombe le ballon, mais c'est récupéré par Sabri Gmir. Sabri qui contourne et qui avance à nouveau dans son style bien caractéristique et on ouvre. Ramoka, il va jouer les bulldozers. On est sur la ligne des 10 mètres de Tarbes. Clément Pro, il n'en peut plus. Hein. Non, Clément Pro, c'est fini, je crois. Il va falloir qu'il sorte. C'est le Tellier qui va faire son entrée. Allez, ballon toujours. Allez, jouez dans le dos. Voilà, elle est bonne à jouer, Mathieu. CS, l'Ottawa. L'Ottawa qui percute. Est pris à nouveau Théo Entraigue sur la ligne des 10 mètres de Tarbes qui donne à Richard Rao qui perce plein axe. Ouais, bien joué. Théo Entraigue, attention, il y a un avantage en cours et un coup de pied à cibre de Théo Entraigue. Allez, pénalité pour eux. Et pénalité pour l'Union. Ouais, sur un plaquage jugé illégal. Je trouve les unionistes beaucoup plus tranchants hein, sur chaque action que les Tarbes qui arrivent toujours à trouver des intervalles. Et c'est une pénalité qui est offerte aux unionistes à 25 mètres à peu près, de 25-30 mètres des poteaux.
côté gauche sur la ligne des 15 mètres. Je pense que Mathieu Peluchon va aller la chercher. En effet. C'est fait, les poteaux sont désignés. C'est la première pénalité hein, sifflée contre Tarbes. Donc à la 33e minute. Ouais, c'était bien plus tranchant là, effectivement, hein, sur cette action, Marc. Les unionistes qui ont fait la différence, qui ont vraiment perturbé le stadeau. Et donc, ils sont récompensés par cette première pénalité pour Mathieu Peluchon. Troisième minute de jeu, 3-0. Nicolas Cabane en rusé qui a voulu changer de ballon parce que l'UCS joue avec une marque différente de celle de Tarbes. Donc, je pense qu'il y aura une mi-temps avec chaque ballon. Alors que Clément Pro sort en boitillant. À nouveau, un blessé du côté de l'Union. Et c'est Flo Letellier qui le remplace. Au moment où Mathieu Peluchon pose son ballon pour essayer d'égaliser, il est à, on va dire, une bonne trentaine de mètres décalé côté gauche. Mathieu. Le ballon qui est tombé du tee, donc il le repositionne. Déjà qu'il met énormément de temps, Mathieu. L'arbitre qui lui fait signe de se dépêcher. C'est parti, Mathieu Peluchon, le poteau et ça passe. Égalisation de Mathieu Peluchon avec l'aide du poteau gauche du CS 3, Tarbes 3. À la 35e minute. Sur une belle action hein, quand même, ouais. Avec des joueurs tranchants qui ont réussi à trouver des intervalles ouais, et jouer dans le milieu de défense. Pour la première fois de cette première mi-temps. Et l'UCS qui fait carton plein en égalisant alors que le renvoi est joué par Tarbes. Cette fois, Romain Gauthier la prend. Voilà, on s'organise en groupe pénétrant, c'est bien joué. Romain Gauthier qui a été tenu en l'air, hein, Nicolas. Allez, Ardiaka qui vient donner un petit coup de main. Hop, il y a un joueur qui est passé au milieu, un joueur de Tarbes. Ouais, Flo Ardiaka qui a récupéré le ballon. Allez, on passe par le sol. C'est un peu confus. Et c'est Richard Aho. Ouais, qui a fait une belle percée, Richie, hein, tout à l'heure. Oui. On est toujours à 30 mètres de l'embut de l'UCS et la sortie de camp, elle est pour Théo Entraigue qui tape à suivre et c'est Luzero qui récupère le ballon. Il y a un avantage en cours pour... Ouais. Attention pour Tarbes. Allez, on écarte côté gauche là-bas. On a passé la ligne médiane. Il y a un avantage en cours hein, parce que ouais. Le joueur a été pris en l'air hein, par Sabri Gmir. Allez, les Tarbés. Ils sont rentrés dans le camp et on va revenir on à va la revenir faute. À la pénalité. Ouais, dit l'arbitre. Alors que ça se chamaille un petit peu pour la première fois du match là entre. Ouais, je pense que c'est un match qui est correct, hein, Nicolas. Ouais. Allez. Ça va se calmer et on va revenir à la faute. Monsieur l'arbitre qui convoque Johnny Donivoku, qui est venu après coup s'en prendre à l'ailier du stade. Ce sera une simple remontrance verbale. Ce n'est pas le moment de prendre des cartons. Déjà qu'il fait chaud. Et que tout le monde souffre, à un de moins, ce serait encore plus compliqué. Donc l'arbitre qui vient consulter son juge de touche et qui va donner donc une pénalité pour Tarbes. Justement sifflé, hein, Nicolas, hein, parce que en effet, le joueur prend bien le ballon en l'air et avant qu'il ne retombe, Sabri Gmir le plaque et c'est une pénalité qui va être tentée. Hein. Ouais, alors qu'on est à plus de 45 mètres. Et que dans l'autre demi-finale, c'est toujours aussi chaud, Marc, puisqu'on est dans les arrêts de jeu et qu'il y a match nul,
19-19 entre Mâcon et Chambéry. Donc pour l'instant, ah, va y avoir une prolongation. Pour l'instant, les finalistes ne sont pas connus. Alors pour l'instant, on peut dire que les Unionistes sont quand même moins bien disciplinés, hein, que les Tarbais, puisqu'ils ont encaissé 5 pénalités contre seulement une, hein, pour Tarbes. Et il y a eu 3 tentatives, hein, de pénalités pour les Tarbais, qui en ont loupé une, qui en ont réussi une. Et qui là, sur cette troisième, elle est belle. Alors, elle est partie, elle va être courte, cette pénalité de Berbizier. 38e minute, toujours 3 partout. Entre l'UCS et Tarbes, alors qu'on est allé en touche là-bas. Et c'est une touche pour les Tarbais. Oui. Qui pour l'instant fait du 100% en touche, les Tarbais. Alors que les Cognacés sont à 50% de réussite, Nicolas. Et seulement 1 sur 3 pour Berbizier dans ses tentatives. Alors là, ce n'est pas Berbizier, hein, qui a tapé. C'est pas Berbizier qui a tapé. Ah, c'est Pisse alors peut-être. C'est Pisse. D'accord. Berbizier doit être le buteur de près. C'est ça. Alors, un fond d'alignement récupéré par le numéro 7 de Tarbes, Méron. On est à 30 mètres de la ligne en but de l'UCS. Il va y avoir un en avant, je pense, des Tarbais. Ouais, il y en a un en avant, en effet. Ça va être une mêlée. Ah, je ne sais pas combien ils sont d'en avant, les Tarbais. 5. À 5, parfait. 5 en avant, Tarbais. 4 en avant, UCS. On était à égalité aussi au niveau des en avant. Ah, mais c'est vrai que. Allez, pour l'instant, on peut dire que vraiment, c'est les Tarbais qui ont la possession, c'est les Tarbais qui ont l'occupation, hein, parce qu'ils sont sans cesse dans le camp des Cognacos angériens. Et la seule incursion de l'Union s'est soldée par une pénalité, 3 points de Mathieu Peluchon. On peut dire que c'est hyper réaliste de la part des Unionistes. Tout à fait. Allez, introduction avec cette mêlée. Et Tarbes qui est sanctionné. Sur cette mêlée. Ouais, le pilier gauche, hein, qui pousse sur le talonneur. Escure. Et donc, l'UCS qui va pouvoir se sortir de son camp. Mathieu Peluchon qui va. Bah, je ne vois pas, mais c'est ce que indique l'arbitre. Hein. Voilà, Mathieu Peluchon. Ouais, une belle touche de Mathieu Peluchon. Voilà. Ouais. Presque sur la ligne des 10 mètres dans le camp de Tarbes, alors qu'on rentre dans les arrêts de jeu. De cette première période, c'est sans doute l'une des dernières munitions pour l'UCS. De pourquoi pas prendre le score. Ce qui serait effectivement hyper réaliste. 3 partout. Allez, on est sur un lancer. Allez, d'Ardiaca. Allez, belle prise de Romain Gauthier. Allez, le Molle qui va... qui s'organise mais qui n'avance pas. Si le tellier c'est le tellier qui a pris ce ballon. Bon, et il a été ramassé. Il a été ramassé. Théo Antrec qui ouvre. Peluchon pour Mir. Mir plein axe qui sort du placage. Ramoka à nouveau pour l'Ottawa. Et super essai de l'UCS. Super essai de l'Ottawa. Avec ses départs en pick and go, hein, suite à ce mot. Et après, donc Antrègue qui ouvre sur Peluchon, qui croise avec Gmir, et Gmir qui retrouve à hauteur l'Ottawa. Ramoka d'abord. Et l'Ottawa à hauteur pour un magnifique essai entre les poteaux des Unionistes. Ah ouais, au cœur de la défense tarbaise. Ils sont venus châtier le stadeau. Sur la première, très belle incursion. Magnifique essai après cette touche, ce groupe pénétrant, c'est départ en pick and go. Et après, donc, ben voilà, on vient jouer dans les intervalles. J'avais annoncé, hein, j'avais dit que les Unionistes étaient plus tranchants sur chaque action. Et vraiment, ça a été le cas sur celle-ci, avec un essai magnifique, Nicolas. Ouais, magnifique et au meilleur des moments, hein, juste dans ces arrêts de jeu, je pense que l'arbitre va siffler juste derrière. C'est le coup parfait pour l'UCS qui... avec la transformation à venir assez facile pour Mathieu Peluchon, même si on ne va pas lui porter préjudice. Voilà, c'est fait.
Et ça passe. 10 à 3, et c'est la mi-temps. Allez, et l'UCS qui mène 10 à 3 la mi-temps, Eric. Et on peut dire que l'UCS est hyper réaliste, hein, parce que en venant deux fois dans le camp des Tarbais, l'UCS obtient une pénalité, 3 points, et marque un magnifique essai. Alors que les Tarbais avaient la possession et l'occupation, mais n'ont jamais pu franchir hein, cette défense unioniste. Allez, on se retrouve, on fait une petite pause, il fait chaud, on va aller boire un coup, Marc. Et puis on se retrouve d'ici un petit quart d'heure pour la deuxième période, 10-3, on le rappelle, pour l'UCS à la pause. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Ah, ça c'est bien ça.
Allez, nous sommes de retour pour cette deuxième période de la demi-finale du Challenge du Manoir. Pour l'instant, c'est l'UCS qui mène à la pause, marque 10 à 3. L'UCS, comme tu l'as souligné tout à l'heure, qui a fait preuve d'un énorme réalisme. Ouais, parce que deux incursions dans le Cantarbé. Et à chaque fois, on marque. Donc, on score. Donc, de 3 points. Et puis, un superbe essai hein, d'Henry ouais, Ottawa. Magnifique. Allez, donc, on va voir le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps avec Mathieu Peluchon. Qui, pour l'instant, oui, fait une petite séance d'étirement. Bah depuis le début, il fait des étirements, Mathieu. Hein. C'est vrai. Alors que dans l'autre demi-finale, on est en prolongation. Ouais, 19 partout à la fin du temps réglementaire. Et 19 partout pour le moment. Allez, pour l'instant, c'est l'UCS hein, qui mène de 7 points à 40 minutes d'une finale. Allez, c'est reparti. Donc, il y a eu un changement du côté de Tarbes au niveau du pilier gauche. C'est Vial qui est rentré à la place d'Escure. Et pas de changement du côté de l'Union. A priori, il y a déjà eu deux remplacements en première période. Long jeu au pied, hein, de piste. Ouais, c'est Thibaut Vicensang là-bas qui a récupéré le ballon. Et attention, Mathieu Peluchon qui met dans les bras de Berbizier. Qui met une chandelle. Attention Théo Rentreg, il faut être dessous. Voilà. Il est malin Thibaut Vicensang. Ah, il considère qu'il y a un en avant. Premier en avant détarbé, il fait signe, monsieur l'arbitre. Et deuxième en avant de l'Union. Donc, on va avoir une mêlée avec une introduction pour l'UCS. Allez, la première mêlée de cette deuxième mi-temps. Et bon, ben, on est pratiquement hein, sur la ligne médiane. Allez, 42e minute de jeu. Allez, moi, je jouerais bien un petit côté, la vie 500, avec Entrée et Gmir. Alors, on va voir si avec ce changement de pilier gauche du côté du Stado, on tient un peu mieux. J'ai trouvé l'arbitre intelligent sur les mêlées, hein, bien que laisser mêler, finalement, s'écroule. À partir du moment où le ballon était disponible, bah, il ne sifflait pas, il laissait jouer. Ça, c'est bien, parce que ça évite d'avoir des temps morts hein, sur toutes ces mêlées, parce que qu'est-ce qu'on passe comme temps sur ces mêlées? C'est quand même le fléau du rugby moderne, hein, Nicolas. C'est vrai. D'ailleurs, celle-là est à refaire. Ouais. Là, c'est parce que les joueurs ne se sont pas positionnés en mêlée. Allez, introduction, elle reste stable, sortie Théo Rentreg pour Mathieu Peluchon et l'Ottawa. L'Ottawa, oh, superbe encore, Henry L'Ottawa qui avait cassé le plaquage. Il a été repris, mais ça rebondit avec Pierre Lemaître. Ouais, Pierre Lemaître qui est en soutien. Mathieu Peluchon, on va jouer au pied là-bas, de l'autre côté. Attention si c'est directement en touche, non? Non, non. Superbe. Superbe touche trouvée par Mathieu Peluchon. Ouais, enfin, c'était plus une passe au pied hein, pour. C'est vrai. Pour Gmir. Il y a le 21 aussi qui est rentré. Et l'Ottawa qui est au sol. Le 21 qui rentre pour Tarbes. Alors le 21, c'est Bretous. Ah, si c'est de la même famille que le Montois. Et c'est le numéro 13, Paulet, qui sort. 43e minute de jeu. Ouais, j'espère que c'est pas grand-chose pour Henry L'Ottawa. Ouais, Henry L'Ottawa, ouais, qui est touché effectivement. Sur sa belle percussion, là, enfin, sa belle percée, il est resté au sol, il s'étire. C'est le genou ou c'est une cuisse? Je pense qu'il va pouvoir reprendre sa place. Le poste de centre, c'est un poste où… La touche perdue. La touche est perdue et récupérée par Thibaut Vicensang qui… La première. Allez, les unionistes… On le soulignait avec Jordi, le caméraman à la mi-temps. On a l'impression que les Tarbés commencent un petit peu à baisser de pied physiquement. Donne. Allez, Vincent Pagenaud. Et ça joue. On écarte côté gauche là-bas avec Thibaut Vicensang.
Ah, c'est qui, c'est Romain Gauthier là-bas qui a réussi à s'extirper. Ouais, pénalité, on a plongé au-delà du ballon. Ah, quel dommage, ils avaient bien récupéré cette touche-là, ce lancer, pardon. Ouais, et puis avec une belle action derrière. Hein. Et malheureusement, la Thibaut 8500 qui donne un mauvais ballon hein, pour Romain Gauthier. Il prend la pression, qui arrive à s'en sortir. Et après, au sol, un joueur de Cognac Saint-Jean qui vient plonger dans le camp Tarbé. Et c'est une touche pour Tarbes. Un nouveau changement à Tarbes. Le numéro 18, Armari, qui rentre. Est sorti. Alors qu'entre-temps, évidemment, Berbizier a trouvé la touche. On est sur la ligne des 10 mètres de l'UCS. Lancé à suivre pour le Stadeau. Je pense que c'est Camille, le numéro 6, qui sort. À vérifier. Allez, on est sur une touche à effectif complet pour les Tarbés. Allez, lancé à suivre de Bono. Ouais, belle prise. Ouais, belle prise des Stadeaux. Attention, oui, il y a l'intérieur là. Numéro oui. 10. Bien contré, hein, c'est Flor Diaka qui a intercepté le ballon. Bonne, voilà, dans le dos, tout de suite, bien joué. Avec Sabrignir là-bas qui va être à la lutte avec Berbizier. C'est le joueur du Stadeau qui arrive le premier sur le ballon. Oh, et belle qui échappe. Et qui échappe à Sabrignir, effectivement. Et qui doit taper à suivre et qui récupère le ballon. Ouais, il a fait un sacré numéro, Berbizier, là. Ouais, il a fait un gros numéro, même. Attends, il y a un gros surnombre des Tarbés. Ouais, on a bien coulissé du côté de l'Ottawa et Pagenaud. Le ballon est tombé. Et c'est Vincent Pagenaud, il me semble, qui a récupéré le ballon. Et le ballon qui va être récupéré sur une mêlée pour l'UCS. Ah, tout va compter maintenant, Marc. Chaque perte de balle, c'est des efforts consentis. Il fait extrêmement chaud, on l'a déjà dit. Ouais, d'autant que les équipes mettent du rythme. Hein, ça joue peu au pied et... C'est un match qui est quand même intéressant. Il y avait un gros surnombre hein, et les Unis sont très bien défendus hein, en glissant, en perdant du terrain, mais en glissant et en les poussant sur le bord de touche. Allez, 47e minute de jeu, toujours 10 à 3 pour l'UCS dans cette demi-finale. Est-ce qu'on a des nouvelles, Clément, de l'autre demi-finale qui est en prolongation, on le rappelle? Alors, on est à la fin de la première prolongation et les deux équipes n'arrivent toujours pas à se départager. 19 à 19. Toujours sur le même score. Ça se termine au tir au but. Allez, mêlée, introduction, Théo Entraigue. Michael Ibonnet, là, il s'est fait tordre, mais le ballon est sorti. Ah, qu'est-ce qu'il signale, monsieur l'arbitre? Il signale un passage à vide et il donne une pénalité pour Tarbes. Pénalité sur la ligne médiane, en effet. Il y a eu deux passages à vide hein, de joueurs unionistes qui ont joué sur le large derrière. Ouais, j'étais focalisé sur la mêlée qui a souffert là, du côté de l'UCS, la rentrée du gaucher. Non, mais le gaucher est rentré complètement sur le talonneur. Hein, enfin... C'est quand même surprenant que ça ne siffle pas. Ouais, très bon jeu au pied. Hein, de très belle touche. De Pisse. Qui trouve une pénale touche quasiment sur la ligne des 20 mètres. Hein. Ouais, 20 mètres. Avec allez. Pour l'instant, des il serait bon temps pour les unionistes hein, qui ont de récupérer ce ballon. Ça aurait été pas mal en défense hein, sur cette et première mi-temps. Le pilier 3 de Tarbes hein, sort. Et remplacé par Ori. Ouais, on va voir ce que. À nouveau, une mêlée, une pénalité contre l'UCS. Monsieur Lassosa qui leur reproche d'avoir désaxé le groupé pénétrant. Ouais, c'est la 8e pénalité contre Cognac Saint-Jean, alors que Tarbes n'en a pris que 2. On n'en a encaissé que 2. Alors, qu'est-ce qu'ils vont décider? Là, il faut que tu ailles chercher. Ah non, ils vont chercher la pénalité. Non, ils vont chercher les points. Prennent les points.
Pour l'instant, les unionistes, hein, depuis le début de ce match, sont plus indisciplinés, hein, que les Tarbais. 8 pénalités, c'est beaucoup trop en 50 minutes. 8 pénalités à 2, hein, c'est ça. Hein. Ouais, mais c'est normal, hein, parce que de toute façon, les Tarbais ont la possession. Et l'occupation. Donc forcément, font moins de fautes. Alors, c'est à nouveau Berbizier ou c'est Pisse qui tape, hein? Non, c'est Berbizier. C'est Berbizier, donc il est sur la ligne des 22 mètres, quasiment. Légèrement à gauche. Et il a l'occasion de faire revenir Tarbes. Elle est belle. À 4 longueurs et c'est fait. 10 à 6, Marc. 50e minute, rien n'est fait. Et le staff, hein, de l'Union qui change toute la première ligne avec la rentrée de Puléoto, en pilier droit, de Camperg au talonnage et Vatubua. Donc en pilier gauche à la place de Igoné, Ardiaka et Ao. Ouais, la première ligne de l'UCS qui avait souffert sur la dernière mêlée, bah, même si même, c'était illicite. C'est quand même dommage, hein, on prend encore 3 points sur une erreur parce qu'on a plongé dans le camp. Hein, on a plongé dans le camp, c'est des erreurs bêtes, des fautes idiotes. Il faut vraiment gommer pour pouvoir remporter des matchs de phase finale. Allez, renvoie Mathieu Peluchon. Et très bon contest. Bon contest, hein. Très bon contest. Ah, c'est Coligno Ramoka. Ah, il faut le bouger, Coligno, quand il y est là. Allez, il faut aller chercher les 3 points. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire, hein? J'ai l'impression qu'ils ne vont pas la tenter. Si, Mathieu Peluchon, il va la tenter. Voilà, juste après avoir encaissé 3 points, essayer de remettre un petit peu à distance ces bigourdants, ce serait pas mal. Alors maintenant, chaque point va compter. Alors, elle n'est pas facile parce que Mathieu Peluchon, même s'il est sur les 22 mètres, il est décalé sur la droite. Oui, entre la ligne des 5 et des 15. Avec, y a un peu de vent qui s'est levé, mais je n'arrive pas à savoir d'où il souffle. On a l'impression qu'il souffle en travers. Donc, si c'est le cas, il va falloir que Mathieu aille chercher le deuxième poteau, le poteau gauche, pour que le vent fasse le nécessaire. Alors, l'avantage, c'est qu'il est sur son bon pied, puisqu'il est gaucher, Mathieu. Donc, il a l'angle ouvert. Effectivement, il y a un petit air là qui s'est levé. On voit les drapeaux. Allez, c'est parti. Et ça passe. 100%. Allez. Mathieu Peluchon. Ouais, et l'UCS qui reprend 7 points. Ouais, qui surtout remet de la distance dans la foulée, juste après avoir encaissé cette pénalité. Ouais, c'est important. Sur le renvoi. C'est important. En effet, après avoir encaissé des points, d'en rajouter. Et c'est pas bon pour le moral des Tarbais en revanche. Allez. Allez, les Tarbais. On joue la 13e minute, donc la 53e. Allez, le renvoi pris par Romain Gauthier. Allez, on va pouvoir se dégager du côté de l'Union, même si ça ferraille un peu. Et c'est Pierre Lemaître qui part. Ouais, qui recule, Pierre, là. Et Mathieu Peluchon qui dégage son camp. Bonjour. Il ne va pas, hein, trouver la touche. C'est une bonne sortie de camp, ça. Maintenant, il va falloir. Voilà, Mathieu, elle est pour toi. Voilà, et à contre-attaque. Ah ouais, il va lober le dernier défenseur là-bas. Ouais. Est-ce qu'il va trouver la touche? Ah, elle va finir en ballon mort. Ah, c'est dommage. Le rebond n'a pas été favorable à Mathieu Peluchon. Et donc, on va revenir au départ du coup de pied situé un peu devant les 22 mètres de l'UCS. Et ça va offrir une bonne mêlée pour le Stadeau, une bonne cartouche. C'est dommage parce que là, il y avait une bonne sortie de camp, hein, des unionistes. Et malheureusement, voilà, sur ce jeu au pied de plus de 70 mètres, hein, quand même, hein, faut le signaler, de Mathieu Peluchon, ben ça passe, au lieu de passer à droite, ça passe à gauche du poteau. Et ça ne sort pas en touche, ça va en ballon mort. Ouais, parce qu'il avait vu que
Le troisième rideau n'était pas bien replacé. Il l'a lobé et malheureusement. Il n'était pas bien replacé, il était carrément inexistant même. Hein. Allez, la mêlée, elle va au sol. Qu'est-ce qu'il dit, monsieur l'arbitre? Il va sûrement appeler les premières lignes. La première ligne de l'UCS qui est toute fraîche. Matsubua, Camperg, Puléoto. Allez, signal. Hein. Si ça continue, ce sera une petite biscotte. Mais pour qui? De quel côté? Ça, il ne nous l'a pas dit. Allez, toujours 13 à 6. 15e minute de jeu. Alors qu'on apprend à l'instant que c'est Mâcon, le premier finaliste. D'accord. Ben le vainqueur de la rencontre Union Cognac Saint-Jean-d'Angély Stade Tarbes rencontrera Mâcon. Au bout des prolongations, Mâcon qui s'impose 22 à 19 sur une dernière pénalité. Donc le premier finaliste est connu, reste à connaître le deuxième. Avec les Tarbes qui sont proches de la ligne des 22 mètres de l'UCS. Après cette mêlée, on va au sol. Elle est récupérée? Non, je croyais qu'elle était récupérée par les unionistes, mais non. Ouais, bien défendu de Lionel Campergue. Qui a bien plaqué aux jambes. Ouais, sur Jérémy Horry, le futur unioniste. Ouais, le ballon est récupéré. C'est Thibaut Vicensang. Elle est bonne de l'autre côté, pas de ce côté. L'Ottawa, il a tapé au pied, il a trouvé la touche. C'est dommage, Théo Entraigne, il fallait que le joueur grand côté l'appelle parce qu'il y avait un 5 contre 2. Il fallait inverser le jeu et pas repartir dans le même sens. Et on est parti, petit côté, effectivement, avec cette touche trouvée par Enery L'Ottawa. Et on redonne la possession encore, hein, malheureusement, au Tarbé. On joue la 57e minute, toujours 13 à 6 pour l'Union. Ouais, une touche légèrement dans le camp du Stadeau. Allez, on va être sur un alignement effectif complet. Les joueurs, là, on va rentrer dans les 20 dernières minutes avec la chaleur. Hein, ça va commencer à piquer, à être difficile. Ouais, allez, la belle bonne prise du Stadeau. Avec Pisse, avec Frisch. À hauteur, il est sur la ligne médiane, pris par les unionistes, ouais, qui ont fait un bon contest et qui ont récupéré la pénalité. Et c'est vite joué par Thibaut Vicensang. Est-ce qu'ils sont à 10 mètres? Oui, a dit monsieur Lassosa. Et ça joue avec Flo Letellier. On est un petit peu arrêté, mais Flo, il est solide et ça éjecte à nouveau pour Mathieu Peluchon. Ouais, très bien joué parce que. Par-dessus. Faut que ça reste dans le terrain absolument. Non, il n'y a plus de troisième rideau, hein, de la part des Tarbes. Mais on redonne encore la possession, hein, aux joueurs des Pyrénées. Ouais, mais territorialement, déjà, on souffre beaucoup moins qu'en première mi-temps, Marc. Cette fois-ci, on est à nouveau dans les 22 mètres du Stadeau qui n'a pas du tout été dangereux, ballon en main. Alors que le chrono tourne et que l'avantage de 7 points à la pause est toujours là avec ce fond de touche du Stadeau, c'est récupéré. Allez, la charge des avants sur la ligne des 22 mètres des Tarbes. Ouais, la défense est bien placée du numéro 9 Luzero. Ah, il va chercher la touche, je pense. Sabri Gmir qui est vigilant là-bas, ouais, c'est sorti. Ah ouais, il y a apparemment les Tarbes, on le voit en contre, hein, puisque je vois le drapeau d'arbitre de touche. C'est une touche pour les unionistes à 45 mètres, hein, de la ligne d'en but de Tarbes. Ouais. Avec sûrement le premier lancer de Lionel Campergue depuis qu'il est rentré. On est sur un lancier à effectif réduit, hein, puisqu'on est 5 en touche. Pour l'Union. Allez, c'est récupéré de manière acrobatique, mais c'est récupéré par l'UCS. Allez, on déblaye. Thibaut Vicensang. Dieu qu'on n'est pas tranquille sur ces touches, hein, quand même. Hein. Allez, on a conservé le ballon du côté de l'Union.
Jouer. Allez, Théo Entraigue qui va jouer au pied. Et ça va sortir en ballon mort. Peut-être pas, c'est vrai que l'embut est assez court. Si. Eh oui. Encore un peu d'approximation au pied. Ça va redonner une mêlée au départ du coup de pied avec l'introduction pour Tarbes. On sent que les organismes sont courts. Hein. Je ne suis pas sûr qu'ils fassent bien 10 mètres, les embuts. Ouais. On sent que les organismes sont éprouvés. Il y a moins de rythme, un petit peu moins de rythme depuis un petit moment. Allez, il reste 20 minutes à jouer hein, dans le temps additionnel. On joue la 60e minute. L'UCS mène toujours 13 à 6 au stade de Villeneuve-sur-Lot. À 20 minutes d'une finale, Nicolas. Pour l'instant. Mais l'UCS qui est toujours à portée de tir du Stadeau, puisqu'il n'y a qu'un essai transformé d'avance. Cet essai marqué juste avant la pause par Eneri l'Ottawa. Et pénalité en mêlée contre l'UCS. C'est Cécilion Puléoto, je pense, qui est sanctionné. Alors, que vont faire les Tarbes? Est-ce qu'ils vont aller chercher les 3 points parce qu'ils sont à 45 mètres ou la touche? Ils vont chercher la touche par leur arrière, Berbizier, et qui va trouver la touche dans les 22 mètres de Cognac Saint-Jean-d'Angély. Ah oui. Avec un lancer à suivre. Allez, attention à cette action dangereuse pour le Stadeau. On va rentrer dans le money time. C'est la 12e touche hein, pour Tarbes, avec une seule perte de balle. À l'heure où il va y avoir un changement de demi de mêlée pour l'UCS. Ouais, puisque c'est Sonny Seco qui va remplacer Théo Entraigue. Alors, ce sera certainement après se lancer en touche de Bono. Le ballon est capté par le Stadeau. Ça va au sol. Voilà, ce qui évite que les Tarbes s'organisent, un groupé pénétrant. Et on part au ras. On est sur la ligne des 22 mètres. Séance de pick and go du Stadeau. Pour l'instant, ça ne progresse pas. On a écarté côté gauche avec Berbizier. Il est pris. Il est pas mal cet arrière quand même. Il a des pattes, il a des appuis. Avec Frisch qui tape à suivre pour son ailier. C'est de la chance. C'est pour le talonneur qui a remis à Frisch. Ouais, là, c'est vraiment de la chance parce qu'il y a du rebond, il y a tout. Et on va en touche. Ils sont propulsés en touche, le Stadeau. Là, si c'est l'Ottawa qui prend le ballon, hein, c'est de l'autre côté. Le rebond est favorable au Tarbes. Allez, 63e, Seco qui remplace Entraigue à la mêlée de l'Union. Water break. Ouais, l'arbitre qui accorde une pause fraîcheur à nouveau pour les deux équipes. On est sur une deuxième mi-temps où la possession est partagée, l'occupation. Un peu plus côté cognaco-angérien. Oui, on souffre. Enfin, l'UCS qui souffre quand même beaucoup moins en cette deuxième mi-temps qu'elle n'a souffert en première. Oui, mais alors attention, voilà, l'UCS a fait preuve de réalisme hein, tout à l'heure hein, sur cette première mi-temps. Là, c'est vrai que je trouve qu'on redonne trop la possession au Tarbes, puisque quand on a le ballon, ben, on essaie de jouer dans leur camp. On est dans leur camp, mais on joue au pied. Et par deux fois, on a trouvé des touches directes, hein, touches en ballon mort, pas directement en ballon mort. Et donc, ce qui fait qu'on redonne la possession dans le camp de l'UCS. Et ça, c'est pas bon parce que ça permet à Tarbes de se maintenir dans le camp de l'UCS et surtout d'y croire, Nicolas. C'est ça. Parce qu'ils ne sont qu'à 7 points, ils ne sont qu'à un essai transformé. Et il reste 18 minutes. Ouais, 18 dans le temps effectif. Hein. Ouais, mais le chrono a été arrêté par
par le speaker. Et donc, on va jouer cette touche avec le lancer pour Lionel Campergue. Le staff de l'UCS, Alex Ruiz, Nicolas Cabane et Christophe Amasek qui en ont profité pour donner quelques consignes pour cette fin de match où il va falloir garder ses nerfs. Pas de carton pour l'instant, ni d'un côté ni de l'autre. Le ballon qui est perdu ballon par perdu. Romain Gauthier. Attention, attention. Il y a là, il y a Valdés. On a bien glissé. Attention, Berbizier qui récupère quand même, qui donne un offload. Pour Piss qui a été refoulé à quelques centimètres de la ligne, ça chauffe. Attention, on est tout proche de l'essai. Et c'est démarqué. Il est marqué cet essai à la corne par le numéro 6. Et c'est sur une touche perdue, hein. C'est quand même incroyable. Hein. Le numéro 6, Camille. Voilà, ben on va être sur un score serré. Hein. Non, c'est le numéro 5 qui a marqué. Allez, ben Berbizier a le ballon d'égalisation. Le numéro 5, c'est Percival. Percival en force. Et ballon effectivement d'égalisation. Alors la transformation n'est pas du tout évidente. Elle est en bord de touche pour Berbizier. Il va tenter de remettre les deux équipes à égalité. Le coup de pied est parti et ça va passer à gauche. Donc l'UCS qui garde les commandes pour l'instant. Ouais, deux petits points, la 25e, 13-11 et avec une montée rageuse sur ce coup de pied hein, de Sonny Seco qui a peut-être perturbé le buteur. Berbizier, pour l'instant, on loupait 8 points au pied. Hein. Mais quel dommage encore cette. Ah, ces scories qui font mal. Ouais, sur une touche perdue, et c'est derrière. Alors qu'on a on a le ballon, on a la possession, et mauvais lancer ou mauvaise coordination, lanceur-sauteur. Allez, Flo Letellier qui donne et de la voix. La punition est immédiate derrière. Qui a donné de la voix pour haranguer ses troupes et le renvoi de Mathieu Peluchon. Dans les bras du numéro 10, Piss, qui va trouver directement la touche. Une très belle touche. Allez, va falloir assurer ce lancer, Lionel Campergue. On est proche de la ligne des 10 mètres, légèrement dans le camp de l'UCS. Un quart d'heure à jouer et deux petits points d'avance pour l'Union, 13-11. Ah, ça va être un final haletant. À l'heure où le numéro 22 de Tarbes, Esteves, rentre et remplace le numéro 11 du Mestre. Le ballon est... Gauthier qui était perturbé en l'air. Ouais, mais il a assuré l'essentiel puisque le ballon est dans les mains de Tounaï Vatubua, le pilier dynamique de l'UCS avec Mathieu Peluchon, avec un coup de pied en chandelle un peu long. Et, oh, Berbizier, c'est pas possible. Et Berbizier qui récupère, attention à ce joueur. Attention avec le numéro 9, ils vont marquer, il n'y a plus personne, Piss. Oh là là, on jongle et essai du stade. Superbe essai. Hein. Du numéro 14. Magnifique essai de Tarbes sur cette contre-attaque. Il faut arrêter de jouer au pied, hein, Mathieu, parce que Mathieu Nicolas, parce que à chaque fois qu'on joue au pied, on se fait prendre derrière. Ah ouais, avec les cannes de ce Berbizier là, qui est un sacré joueur et qui a remis toute son équipe dans l'avancée. Après, il y a eu une espèce de petite partie de jongle. Ouais, mais c'est bien joué, hein, parce que ils ont joué après contact, avant contact, et ils ont marqué un essai de 70 mètres, hein, Nicolas, un essai magnifique. Ouais, par leur ailier Rubio. Tu viens de prendre un essai sur le renvoi. Tu reprends un autre essai derrière. Effectivement, un mauvais quart d'heure là pour. Non, mais parce que
Depuis le début de cette seconde mi-temps, on joue au pied, alors que en première mi-temps, on a joué qu'à la main. On n'avait pas beaucoup de ballons. Et là, on a un peu plus de ballons, on joue au pied, mais on leur redonne la possession. Et c'est Tarbes son joueur quand même. Donc là, on fait des. À mon avis, c'est une mauvaise stratégie. Il faut vraiment conserver le ballon et jouer parce qu'on s'en débarrasse sur le premier temps de jeu. Donc c'est complètement ridicule. Allez, la transformation qui va passer. Et pour la. Et Tarbes qui prend 5 points d'avance. Eh oui, 18 à 13. La transformation de Berbizier. C'est une très mauvaise gestion de match. Hein. Allez, deux essais coup sur coup et les mouches qui ont changé d'âne. Avec le renvoi de Mathieu Peluchon et une touche trouvée par Berbizier l'arrière sur sa propre ligne des 10 mètres. Et ouais, Tarbes qui n'avait été en tête que en première mi-temps. Ouais, 3-0, mais qui avait repris 3 points en suivant. Et là, qui viennent de marquer 12 points en 2 minutes, Nicolas. Sur une première erreur, entraîné faute de un mauvais lancer. Et puis après, là, ben, un jeu au pied qui ne servait à rien. Allez, Romain Gauthier qui a lancé Paulinho Ramoka qui joue aux auto-tamponneuses. Lionel Campergue. Attention, ballon perdu. À l'envie, elle a changé on de camp. On joue complètement à l'envers. Allez, le ballon qui a été récupéré. Non, l'arbitre qui arrête l'action. Campergue qui va péter, qui est tout seul. Il faut reprendre, il reste 10 minutes. C'est pourtant un match qui est largement à la portée des unionistes. Hein. Oui. Alors, c'est Conrad Marais qui rentre à la place de Vincent Pagenaud. 70e minute. Bien. 18 pour Tarbes, 13 pour l'UCS, qui effectivement a encaissé 12 points en quelques minutes et qui maintenant fait la course derrière. Et en mêlée, c'est Tarbes qui est sanctionné. Alors, que vont décider ? Il faut aller chercher 3 points, Nicolas. C'est ce que semble indiquer Mathieu Peluchon. Oui, on désigne les poteaux. Ça ne va pas permettre à l'UCS de repasser devant, mais de revenir. Si Mathieu Peluchon passe cette tentative, pour l'instant, il est à 100% de réussite. Mais ça reviendrait à 2 points. Donc, il reviendrait à 2 points. Il est à 42 mètres, quasiment face aux perches. C'est parti, le coup de pied de Mathieu Peluchon et ça passe. 16 à 18 pour Tarbes. Et un peu plus de 8 minutes à jouer dans cette demi-finale. Allez, le renvoi de Berbizier, récupéré par Sabri Kmir. Sabri, il est croqué dans ses 22 mètres. Elle est bonne, elle est bonne. Elle est excellente à jouer. Allez, Donny Bocou qui va remonter, qui va passer à Ramoka, qui sort de ses 22 mètres. Peluchon, un grand coup de pied au-delà des derniers défenseurs. C'est Berbizier qui va être le premier sur ce ballon. Et les premiers sont des avants, c'est pas normal. Et il va dégager depuis ses propres 22 mètres. Berbizier va trouver la touche sur la ligne médiane.
Allez, c'est pas une mauvaise sortie de camp hein, des unionistes. Hein. Je t'en souviens avec une touche. Mathieu Peluchon qui a lobé les derniers défenseurs. Ils étaient sur le recouloir et Verbizy a dû taper directement depuis ses propres 22 mètres. Allez, assurer le lancer, surtout Lionel Campergue. Allez, c'est assuré en début d'alignement avec Vian et récupéré par Lionel Campergue. Okay, on est... Ramoka qui a percuté, qui a perdu le ballon. Il y a une occasion d'essai là-bas. Pour Rubio à nouveau, c'est Seco qui va arriver le premier, qui n'arrive pas à contrôler le ballon. Et non, l'arbitre qui siffle une pénalité pour une obstruction sur Seco. Oh, ils ont eu chaud là, les unionistes. Ils pouvaient encaisser un nouvel essai. Non, mais ce qui est incroyable encore, c'est que tu as une touche pour toi. Que tu... En touche, on est vraiment défaillant. Hein. Mais c'est depuis le début de la saison. Allez, c'est... Et c'est un troisième essai hein, qui était marqué. Sonny Seco qui va pouvoir dégager le camp avec cette pénalité. Allez, sur la ligne des 40, Lucès qui va récupérer. 6 minutes dans le temps réglementaire. Ouais, 18-16. Pour repasser toujours. Devant. 18-16 pour Tarbes. Les supporters de Tarbes qui encouragent leur couleur. Allez, attention à cette touche à nouveau. Il faut absolument assurer le coup. Un ballon propre pour pouvoir ensuite... Voilà, très bien Romain Gauthier, même si Flo Le Tellier est pris. Allez, à nouveau Gauthier pour Campergue à hauteur. Non, non, non! Mathieu Peluchon qui allume une chandelle. Elle est mal récupérée. Que dit l'arbitre? Il dit rien. Et les Tarbais qui peuvent récupérer. C'est récupéré par Johnny Donivoku. Donivoku au niveau de la ligne médiane qui est stoppée. Allez, bonne extérieure, Mathieu. Allez, il faut ouvrir là-bas côté gauche avec Mir qui passe la ligne médiane. Il faut franchir Sabri. Se rapproche des 22 mètres. Elle a été très bonne à jouer, en effet. Il y a l'Ottawa qui est blessé. On est un de moins dans la défense. Le Tellier qui va retrouver les roues, qui est chargé. Le ballon toujours pour Thibaut Vicensang. Ils sont complètement hors jeu. Hein. Allez, Coligno Ramoka sur la ligne des 22 mètres. Lionel Campergue qui transmet à nouveau Johnny Donivoku à l'arbitre. Il a l'arbitre qui ne siffle pas. Et ça joue vite. Attention, ça joue vite. L'arbitre a dit oui, Conrad Marais. On est revenu. Il faudrait qu'il regarde les hors-jeux de ligne quand même. Parce dans les 40 mètres. Allez, l'UCS qui tente de gratter ce ballon. Et ils vont être sanctionnés, les unionistes. Pénalité pour Tarbes. Ah, l'action là qui a échoué là-bas. C'est la 12e pénalité hein, contre eux. Ouais, alors que beaucoup de joueurs souffrent le genou à terre en cette fin de match. Il reste 3 minutes au chrono. 18-16 pour les Tarbais. Et une Jordan pénalité. Témo, hein, qui va faire son entrée. Allez, il reste 3 minutes pour aller chercher une finale. Alors, qu'est-ce qu'ils vont décider,
les Bigourdans. Est-ce qu'ils vont la taper? Est-ce qu'ils vont aller en touche pour manger un peu de chrono? Et ils décident d'aller en pénal touche avec Piss. Proche de la ligne des 22 mètres avec un lancer à suivre pour le Stado. 2 minutes au chrono. Et pour l'instant, c'est Tarbes qui est en finale contre Mâcon. Et l'aventure de l'UCS qui s'arrête là. Ouais, bonne prise. Bonne prise en touche. Et l'arbitre qui rend le ballon. Le ballon a été enterré. Et donc, ça va donner une mêlée pour l'UCS, enfin, mais dans ses propres 22 Nicolas, mètres. Il reste 80 mètres à remonter. Hein. Oui, et 1 minute 40 au chrono. Allez, la mêlée va se former. On est sur la ligne des 22 mètres, hein, pratiquement de Cognac-Saint-Jean. Au croisement de la ligne des 15 mètres, côté droit. C'est l'Ottawa qui est sorti, Crémou qui est rentré, touché. Et Neri l'Ottawa et départ de Thibaut Vicensang derrière sa mêlée. Avec Cécilio Puleoto en relais. On est sorti des 22 mètres. Romain Gauthier qui essaye de s'extirper. Allez, 70 mètres à remonter. Lionel Campergue. Sonny Seco qui est pris. Mais là, on n'est pas du tout organisé. On fait n'importe quoi. Il faut vraiment retrouver les bases du jeu. Quoi. Lionel Campergue. Allez, ça joue, on est toujours dans les 22 mètres. Il va falloir tout jouer là. Conrad Marais qui essaye. Allez, Mathieu Peluchon, Florian Letellier. Ah, faut tout donner là maintenant. Faut plus calculer. Pierre Lemaître. Pierre Lemaître qui est pris. Mathieu Peluchon. Donny Vaucou avec Oligno Ramoka. Elle était bonne à jouer. Hein. Allez, Johnny Donny Vaucou qui essaie d'en remettre une louche. Mais on est toujours à 30 mètres de l'embute de l'UCS qui ne progresse pas. Thibaut Vicensang avec Tuna et Vatubua. Et les Tarbés qui défendent comme des morts de faim. Mathieu Peluchon. Jordan Crémou. Sonny Seco pour Donny Vaucou qui écarte là-bas avec Conrad Marais. Sabri Gmir sur la ligne des 40. Sabri qui zigzague. Il fait les bordures. Qui essaye de trouver une ouverture. Attention, il n'a pas de soutien. On est à la ligne médiane. Et il est sanctionné, le Tarbé. Hop, hop, hop. Il est sanctionné. On est sur la ligne médiane. On est dans les arrêts de jeu. C'est Allez. La pénalité de la gagne. Jordan Crémou. Faut aller la chercher. C'est la pénalité de la gagne. Qu'est-ce qu'ils vont décider ? Allez, c'est Jordan Crémou qui va la prendre, a priori. C'est ça. Et non. On désigne les poteaux. Non, c'est Mathieu Peluchon, finalement. On dirait. C'est pas clair. Après Mathieu Peluchon, il a plus de 200 matchs au compteur en Pro D2. Il a l'expérience. Ouais, mais c'est lui qui doit la passer là. Allez, ça va se jouer à la pièce cette demi-finale. Sur un coup de pied de 51 mètres de Mathieu Peluchon. 2 minutes au-delà du temps réglementaire. Ça passe
l'UCS reprend un tout petit point d'avance. Ça passe. Si ça passe, c'est la finale. Si ça passe pas, c'est l'arrêt de la saison, Nicolas. Allez, Mathieu Peluchon. Allez, il faut monter la gagne au bout du pied. Il a le destin de l'UCS au bout du pied. Il n'a pas pris énormément d'élan. C'est parti. Ça va être court, non? Et ça passe! Et ça passe! C'est fini! Incroyable scénario! Incroyable, elle passe juste au-dessus de la transversale. L'UCS est en finale du challenge. L'UCS en finale. Il était plus de 50 mètres face au poteau de Mathieu Peluchon. J'ai vu quand il a tapé, la marque, il a glissé, il est tombé en arrière. Et finalement, il a donné juste ce qu'il fallait pour qu'elle passe au-dessus de la barre transversale. L'UCS est en finale du challenge du manoir. Victoire 19 à 18 à la dernière seconde. Ouais, victoire à la dernière seconde, mais il y a eu quand même il y a beaucoup de scories parce que je crois qu'on a. On menait de 7 points à la mi-temps, on a été péraliste en première mi-temps, on n'a pas eu la possession, mais à chaque fois qu'on venait, on était tranchant. Et puis sur cette seconde mi-temps, on a eu plus de ballons, ben on leur a redonné la possession par des mauvais jeux au pied. Parce que je peux dire qu'aujourd'hui, le jeu au pied était mauvais, alors pas celui vers les poteaux, hein, parce que Mathieu fait du 100%. Mais vraiment sur le jeu au pied de déplacement et le jeu au pied de pression, on n'a pas été bon. Et voilà, ça permet à Tab, avec un mauvais lancer, de revenir dans la partie après avoir marqué deux essais en deux minutes, Nicolas. Mais voilà, ben les... Il faut dire que les Unionistes sont allés se chercher parce qu'ils ont remonté 40 mètres pour obtenir une pénalité hein, de leurs 22 mètres. Et puis voilà, cette pénalité qui, du bout du monde, hein, passe entre les perches, peut-être à 5 cm au-dessus de la barre, mais ouais, elle passe ça. Et elle donne la finale aux Unionistes, Nicolas. Ouais, les Tarbais qui peuvent être déçus, hein, on les voyait complètement dépités juste après le passage de pénalité de Mathieu Peluchon. Et donc, la semaine prochaine, rebelote. Rebelote. Puisque nous irons quelque part entre Cognac et Mâcon. Ouais, Vichy, comme tu le disais peut-être. Parce que Vichy a un beau petit stade. C'est un club qui organise bien les phases finales, donc ça sera peut-être à Vichy, on verra bien. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Merci Marc, ça a été un plaisir. On a souffert jusqu'au bout, mais le dénouement est heureux. Et puis on vous dit à très vite, à dimanche prochain, et à très vite sur le site de Charente Libre pour découvrir les réactions d'après-match. Et je pense qu'elles vont être savoureuses. Merci Marc, à bientôt. Merci Nicolas, à très bientôt, au revoir. Au revoir. Eh bien, au 23 pour la finale. Hein, à dimanche. Peut-être 22 télévisés par l'équipe TV d'ailleurs. Eh bien, on verra ça. On dira ça attentivement. Allez, à bientôt. Merci, au revoir.